Bonjour à tous, nous avons fait avec l'inspecteur d'académie le tour de plusieurs écoles pour faire le point de cette rentrée scolaire. Et nous sommes ici à l'école maternelle Champagne, une très belle école avec trois classes. Et ce que je veux dire surtout, c'est que ce tour d'horizon à Montréno, à Côte-Chaude, à l'école des Ovides, ici à Champagne, montre d'abord l'incroyable, l'extraordinaire implication des enseignants. Et je veux vraiment les féliciter et les saluer. Parce que dans toutes ces écoles, dans ces quartiers qui sont très différents, il y a eu la même attention qui est portée aux élèves, la même organisation pédagogique et une rentrée qui se passe vraiment très bien. Donc je veux les remercier. Je crois que c'est des moments qui sont réconfortants où on voit que l'école de la République réalise vraiment des choses remarquables et participe à cette intégration de tous autour de ce projet républicain qui doit être plus que jamais réaffirmé. Et voir ses enfants au travail dès la première journée, avec beaucoup de respect pour les enseignants, pour les élus aussi qui sont venus, je crois que c'est très positif. Alors il y a beaucoup de travail à faire, nous le savons, nos écoles ont été négligées pendant de très nombreuses années à Saint-Étienne sur le plan matériel, et nous allons encore renforcer notre investissement pour rendre ces locaux toujours plus accueillants, comme c'est le cas ici, améliorer les choses et les sécuriser autant qu'il est possible. Il y a un gros travail devant nous, mais on s'y implique avec Myriam Ulmer de manière extrêmement dynamique parce qu'on sait que c'est l'avenir de la ville qui se joue finalement pour les années futures dans ces travaux et dans cet accueil que nous devons aux jeunes Stéphanois.